C'est un rendez-vous incontournable qu'on organise chaque année pour un petit peu dresser le bilan d'étape par rapport à ce qu'on apporte à notre communauté et aussi avoir le feedback de notre communauté par rapport à ce qu'ils veulent de plus et ce que notre communauté, les entreprises sont au centre de nos intérêts. Donc on essaye de recueillir le maximum de besoins de nouvelles idées à partir de nos partenaires, à partir des membres de notre communauté, mais aussi on essaie de leur apporter des solutions qui sont complètes, clés en main, et c'est pour ça qu'on organise cet événement et aujourd'hui qui revêt un caractère exceptionnel puisqu'il constitue le trait d'union entre plusieurs secteurs d'activité, le commerce international, la digitalisation, la logistique, le transport, la finance. Donc on a une exposition magnifique, on a un regroupement d'événements magnifiques, il y a beaucoup d'internationaux qui sont là, il y a une trentaine de nationalités de pays qui sont représentés avec des délégations de haut niveau, donc une quinzaine d'exposants internationaux dans le cadre de l'exposition des pays membres de l'OCI sur le transport et la logistique, et puis des experts qui viennent de toutes les organisations internationales telles que l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale des douanes, les Nations unies, la Banque africaine de développement, l'Alliance africaine pour le commerce électronique, le COMSEC, le Centre islamique de développement du commerce. Le Maroc, comme je l'ai souvent dit, est un membre très actif de l'Alliance. Et je pense que ses idées, sa participation, son engagement font que nous avançons effectivement et prenons en compte les thèmes d'actualité. Et le thème de cette conférence en est la preuve. Et grâce à cela, nous pouvons donc faire en sorte que nos membres soient bien informés, mais surtout que nos membres s'arriment à cette évolution qui est aujourd'hui inéluctable. Le rôle des guichets uniques aujourd'hui est un rôle très très important dans le cadre de la digitalisation et je pense que les membres ont pris à cœur cette mission qui est la leur. Et le fait de participer donc à ces rencontres nous permet non seulement d'échanger nos expériences respectives, mais de voir effectivement tout ce qui est évolution et effectivement de s'arrimer à ces évolutions-là.